Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous faire gagner des XP très facilement et rapidement aussi. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif, ensuite vous allez aller sur la console de gauche que je vous montre et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc c'est 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 et 8. Ensuite vous validez et vous acceptez. Ensuite sur la console de droite, vous allez rentrer le code de l'île que je vais vous dire, donc 4 3 6 3 6 3 3, 7, 0, 7, 5, 7. Ok, ensuite vous validez. Ensuite, maintenant, vous allez rentrer dans l'île numéro 1, donc celle de gauche. Et là, quand vous êtes dans l'île, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu s'est lancé, vous allez récupérer un poisson ombre qui est juste ici et un poisson faille qui est juste là. Maintenant, vous allez passer dans la faille God Mode, comme je suis en train de le faire. Voilà. Là, vous allez devoir attendre un petit peu, histoire que la réapparition se fasse et que vous réapparaissez dans l'accueil du mode créatif. Donc là voilà, ça va se faire, voilà, parfait, c'est fait. Ensuite vous allez pouvoir voler en appuyant deux fois sur X, voilà, comme ceci. Et là ce que vous allez faire, c'est passer au dessus de l'île que vous avez mis de droite, donc vous passez au dessus en volant comme ceci, voilà. Et là vous allez arriver vers un mur orange, il va falloir passer au dessus. Ok, et vous continuez. Donc là, je peux remarquer que sur ma mini-carte en haut à droite, je suis en train d'avancer. Donc ça veut dire que je peux avancer tout droit. Donc j'avance jusqu'à temps de voir une île apparaître. Donc normalement, l'île n'est pas très loin. Donc on va voir ça. Voilà, c'est bon, elle est là. Ensuite, vous allez rejoindre cette île et vous allez passer par le même chemin que moi. Donc vous allez sur la maison tout à droite. La maison, la grange rouge. Ensuite, vous collé mais pas complètement collé au mur, mais vous vous rapprochez du mur. Ensuite vous allez utiliser votre poisson ombre, voilà, et vous allez passer à travers le mur, voilà, comme ceci. Ensuite vous repassez à travers le sol, voilà. Et quand vous êtes ici, vous appuyez deux fois sur X et vous enlevez votre ombre. Ok, parfait. Maintenant vous allez prendre votre poisson et vous allez le lancer là, et vous allez prendre votre poisson faille et vous allez le lancer là, donc tous les deux. Ensuite vous allez faire option, paramètres, réapparaître, triangle, ok, c'est parti. Vous appuyez deux fois sur rond pour enlever le menu pause. Vous attendez de réapparaître. Quand vous êtes réapparu, vous réappuyez sur pause. Vous allez encore dans votre paramètre menu et vous allez lancer la partie comme je suis en train de le faire. Quand la partie sera lancée, vous allez récupérer le poisson faille en premier et ensuite vous pouvez prendre le poisson ombre. Ensuite, vous allez vous placer près du poisson ombre plutôt, excusez-moi, et vous allez activer votre poisson faille puis récupérer votre poisson ombre. Donc j'active et j'appuie sur carré pour récupérer mon poisson ombre, comme ça il se met dans mon inventaire. Ensuite vous allez planer jusqu'à la maison de droite, vous voyez, c'est la plus petite maison, vous pouvez pas vous tromper, c'est la plus petite maison et il y a une petite bord, un petit bord rouge juste en bas. Ah, désolé pour les couleurs, j'ai mis un filtre sur ma vidéo qui rend mes couleurs très vives, donc voilà, je viens de le changer, désolé. Ensuite, quand vous allez rentrer ici, vous allez gagner, voilà, j'ai gagné 2128 XP, c'est juste incroyable. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous allez utiliser votre poisson ombre juste ici à gauche, à droite, excusez-moi. Vous utilisez votre poisson et vous passez à travers. Ensuite, regardez, ça va me refaire gagner 1000 XP. J'enlève mon ombre et là, je vais passer dans la faille. Donc, je passe dans la faille, je me retourne et j'active le bouton qui est à droite. Hop, j'appuie et boum, je regagne 1000 XP. Alors là, je vais vous parler un peu des XP. Il faut savoir que certaines personnes peuvent gagner 5000 XP, 10000 XP à chaque fois qu'ils font le glitch. Genre des personnes, ils peuvent gagner 1, 50, 100 XP, ça dépend en fait. Ça varie des comptes. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'XP, d'autres personnes qui gagnent pas beaucoup d'XP. C'est un peu aléatoire et c'est un peu question de chance. Donc là, regardez, je peux faire ça en illimité. Donc chaque seconde, si je suis assez rapide, je gagne 1000 XP. Hein. Si je fais ça, hop, hop, voilà, chaque seconde, je prends 1000 XP. Voilà, je fais ça en illimité et je vais gagner 1450 XP à chaque fois. Donc là, je suis à 1449. On va voir si ça augmente ou si ça diminue. Donc là, ça diminue. Parfois, il y a des glitches qui diminuent au fur et à mesure que vous faites des XP. Ça diminue, mais parfois aussi, il y a des glitches. Plus vous allez faire des XP,
plus ça va augmenter. Donc ça varie aussi des maps. Celui-là, c'est possible qu'il diminue. Après, c'est possible qu'il diminue pendant 5 minutes. Après, qu'il remonte. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé plus que ça. Mais voilà, c'est un glitch d'XP qui est fonctionnel à l'heure où je vous parle. Alors, il faut savoir une dernière information. Parce que Fortnite nous a mis un after patch. Enfin, c'est un patch, en fait. Ils nous ont patché un truc. C'est que maintenant, sur Fortnite, temporairement, je dis bien c'est temporaire, Fortnite a bloqué l'XP du mode créatif à plus ou moins 4 niveaux par joueur. Mais attendez, attendez, parce que j'ai des joueurs qui, eux, gagnent 100 niveaux. Voilà, 100 niveaux en un jour, ils en gagnent 10, 100, 50. En fait, il y a des joueurs où ils n'ont pas de plafond d'XP en mode créatif. Et là, Fortnite, pourtant, il a mis un plafond d'XP en mode créatif temporaire pour justement étudier l'histoire des glitches et essayer de faire en sorte de patcher les glitches. Pour en attendant un patch, eh ben, ils ont mis un plafond d'XP. Mais certains joueurs, ça, je ne sais pas pourquoi, on essaie de comprendre pourquoi certains joueurs n'ont pas ce plafond d'XP. Peut-être que, je ne sais pas, de toute façon, ça vient de sortir ce truc-là. Donc dès qu'on aura une solution pour gagner plus que 4 niveaux d'XP par contre, bien entendu, je vous ferai une vidéo directement là-dessus. Mais pour l'instant, on est bloqué à 4 plus ou moins niveaux en mode créa. Après, vous pouvez aller en sauver le monde et gagner des XP. Et vous pouvez aller en BR, continuer à gagner des XP. Mais pour l'instant, donc moi, mon premier compte, j'ai atteint le plafond. Et quand je fais le glitch là, genre ce glitch là, je gagne 5 XP par 5 XP. Donc je pense que j'ai atteint le plafond. Donc il faudra que j'attende demain, je pense que c'est 15h ou 16h, pour pouvoir recontinuer à gagner des XP et recontinuer les glitches en mode créatif. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapping Mec et ciao. Peace.